Coucou les garçons, comment ça va aujourd'hui? Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Ça a l'air de se présenter comme ça. Je vois déjà la piscine derrière vous. Effectivement, challenge et défi, il va y avoir 4 épreuves. Est-ce que vous êtes prêts à les découvrir? La première épreuve de ce challenge piscine, c'est l'épreuve des flamants roses avec le lancer d'anneau. Ensuite, il y aura l'épreuve des donuts. Cette fois-ci, c'est un lancer de boule en plastique. Ensuite, il y aura un challenge avec des mini gonflables comme ceci et des pistolets à eau. Et enfin, pour le quatrième challenge, ce sera une pêche aux surprises dans la piscine. On commence par un plongeon de Néo. Et on commence par les flamants roses qui sont juste ici. Le jeu est extrêmement simple. Vous avez 4 flamants roses qui sont numérotés. Il y a des points dessus. 30 points, 40 points, 10 points ou 20 points. Et ici, vous avez des anneaux. Il y a 2 jeux d'anneaux. L'un de vous va prendre les roses. L'autre va prendre les oranges. D'accord. Et bien sûr que le meilleur gagne. La difficulté, c'est qu'il y a un petit peu de vent. Du coup, nos amis les flamants roses... Ben, n'en font qu'à leur tête et ils sont partis à l'autre bout de la piscine. Bien. Donc les garçons vont devoir se rapprocher. C'est Swan qui commence avec l'aide du grand frère pour être un peu plus stable. Pas du tout. Vise un peu quand même, hein. Oula. Allez. Non. Il ne faut pas assommer le flamant rose, hein. Il faut lui mettre l'anneau autour du cou. Allez, c'est au tour de Néo. C'était pas loin là. Non, non, oh non, mais celui-là il est trop près. Bah non, il n'est pas trop près pour autant. Eh ben, dis donc, ça démarre fort. Deuxième essai pour Swan. Pourtant, ils sont prêts, hein. Oh, presque. Non. Non. Deuxième essai pour Néo. Non, tu l'as assommé. Ah, ça y est. Et d'un. Allez. Non. Alors, t'as marqué combien? 10 points. Allez, 10 points pour Néo. Troisième essai pour Swan. Bing. Swan, lui, l'assomme les flamants roses. Boing. Non plus. Allez, petit loup. C'est pas celui-là, hein. Ça, c'est un cygne doré. C'est pas un flamant rose. 0 pour Swan. Troisième et dernier essai pour Néo. Bon, ils sont à peu près ceux-là, peut-être, quand même, hein. Voilà. Allez. Oui. Juste à côté, tu sais. Oui. Oh, bien. C'est bon. Allez, on tente un triplé. Allez, allez. Attention, ils s'en vont, hein. Non. Non, dommage. C'est lequel que tu as eu? Ah non, celui-là c'est pas le 10. Si, c'est le plus petit. Ça te fait 30 points quand même. Ça te permet de remporter ce premier challenge. Bravo Néo. Pour le deuxième challenge, on passe à la gourmandise. Il y a 6 donuts avec des couleurs différentes et des points différents également. Et il y a des balles, voilà. Donc chaque garçon a 4 balles. Et bien sûr, le but, c'est de marquer un maximum de points. Pour que ce soit un petit peu plus facile pour Swan, il a été décidé que lui, il jouerait du bord de la piscine, alors que Néo, lui, sera dans la piscine. Et les donuts, ben, sont partis avec le vent, évidemment, ils sont là. Premier essai pour Swan. Non, je ne suis pas un donut, hein, ce n'est pas la peine de me viser. Pas mal, allez, presque, plus fort. C'est pas mal, allez, encore. Et non, petit chou. Rien du tout pour le premier essai de Swan. C'est au tour de Néo. Non, faut tirer plus fort. Trop fort. Oui. Et d'un, bravo. C'est le plus petit. Oh non, c'est 10. Mais sérieux. C'est déjà bien, t'en as mis un. Allez, encore. Non. Mais quand même, t'en as mis un. Allez, 10 points déjà pour Néo, ça commence. Deuxième essai pour Swan. Non. Ah, c'était pas loin. Allez, tire un peu plus fort. Oh, presque. Allez.
Et non, dommage. Dommage, c'est pas bon pour Swan. Deuxième essai pour Néo. Non. Pas loin. Oh, ça rebondit. Et non. Troisième et dernier essai pour Swan. On a rapproché les donuts. Il faut dire qu'avec le vent, ce n'est pas évident parce que la balle s'envole et les donuts s'en vont aussi. Allez, petit chou. Oui, bravo. Merveilleux lancé. Bien sûr, ce sera tout. Allez, t'en as encore deux. Oui, oui. Elle n'est pas du tout donnée, celle-là. Hein. Voilà. Ouh. Ce n'est plus du lancer de balle, c'est du poser de balle. T'es un pro, hein. Allez. Ah oui, voilà. Bon, t'en auras quand même mis deux. Allez, on va dire que c'est bon. Combien de points? 20. 30. Ah, 50 points. 50 points, sauterelle, là. Ça a l'air d'y faire plaisir. Troisième et dernier essai pour Néo. Oui. C'est bon, mais c'est seulement 20 points. Allez, allez. Ça compte pas pour 50. Bravo, quelle remontée. Allez, Néo, concentration extrême. Dommage, dommage, dommage. En plus, il y a eu une bourrasque. Tout est parti. Dernière balle. Non. Ah, tu as marqué 50 points et tu avais 10 points de la première partie, donc 60 points pour Néo. Yeah. C'est Néo qui l'emporte pour ce deuxième challenge. J'avais réussi à marquer. Oui, petit cœur. Pour le troisième challenge, les garçons sont équipés de pistolets à eau. C'est la bataille. Alors en fait, non, normalement, ce n'est pas pour se tirer dessus l'un l'autre. C'est pour tirer sur les mini-gonflables qui sont ici. Ce sont des porte-verres. Alors, ils sont trop jolis. On les a tous équipés. Ici, nous avons un donut violet. Là, c'est le hamburger que Néo a reçu dans le swap de vacances. Ici, c'est ma licorne. Là, c'est le flamant rose de l'année dernière. On l'a ressorti. Là, c'est mon cœur. Et ici, encore un donut un petit peu plus rosé. Le principe est très simple. Chaque garçon est équipé et doit faire avancer 3 mini gonflables et leur faire dépasser la ligne de flottaison qui est ici au milieu de la piscine. Pour se repérer plus facilement, il a été décidé que Néo aurait les 3 gourmands, donc 2 donuts et un hamburger, et Swan aura les 3 romantiques, la licorne, le flamant rose et le petit cœur. Le départ est imminent. C'est bon? Allez, 3, 2, 1, top départ. Allez, c'est parti. On tire, on tire, on tire. Allez, Swan. Le hamburger a déjà pris une bonne avance. Il y a un donut qui suit. Ah, oh, Swan galère. Allez, Swan, allez, allez. Tire, 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 tire. Allez, allez, il faut que tu tires dans le verre, Swan. Tire dans le verre. Bien joué, Néo. Ça avance très vite. Ça avance très, très vite. Allez, 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 allez. Allez, Swan, allez. Bon, Néo, tu y es presque. Ouais. Allez, c'est bon pour Néo. Le premier donut touché, c'est bon. Allez, le hamburger. C'est bon, c'est touché. Allez, le dernier, le dernier, le dernier. Swan est toujours en galère. Allez, Néo. Allez, 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 allez. C'est bon. Allez, victoire de Néo. Je propose une revanche en équilibrant peut-être un petit peu mieux par rapport à l'âge. Pour cette deuxième tentative, afin de simplifier un peu les choses pour Petit Swan, il a été décidé que Néo aurait 5 gonflables amenés à bon port et Swan seulement la licorne qu'il vient de choisir. Attention, 3, 2, 1, top départ. On a eu un petit faux départ du côté de Néo, mais bon, on va dire que c'est bon. Swan, tu peux aller dans l'eau. Par contre, attention, t'as pas les brassards, on va les mettre. Ça y est, Swan est équipé. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Néo, tu t'en sors. La licorne avance. Allez, Néo. Allez, Néo. Oui, la licorne a franchi la ligne d'arrivée. Néo est toujours au bord. Apparemment, c'est un peu compliqué avec les 5. Bon, on en refait une. Allez, go. Allez, une troisième et dernière pour vous départager. Pour ce troisième et dernier essai, Néo a choisi du coup 3 gonflables. 2 donuts et un flamant rose et Swan la licorne. C'est déjà parti?
3, 2, 1, top. Apparemment, le départ déjà lancé. Swan a déjà fait avancer sa licorne. Allez, Swan est dans l'eau, ça y est. La licorne prend de l'avance. Allez, Néo. Allez, 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 Néo. Allez, ça avance, ça avance, ça avance. Oh, la licorne est super lancée, là. Wouh. Elle va vite, hein. Elle va vite, elle va vite. Et voilà, la licorne a franchi la ligne d'arrivée. C'est une victoire pour Swan. Bravo, Swan. T'as remporté un challenge sur les trois. Wouhou. Allez, on passe au quatrième et dernier challenge. Pour ce quatrième et dernier challenge, nous avons ici un Néo sur un paquet de chips géant, armé d'une épuisette. Nous avons ici tout un tas de surprises. Bon, elles se sont un petit peu rassemblées là, mais on va les remettre plus loin dans la piscine. Et là, nous avons un petit Swan équipé d'une épuisette verte. Je vous explique le principe. Il y a dans la piscine 8 boules, donc les 4 jaunes et les 4 roses, ainsi que 20 surprises différentes, 20 sachets surprises répartis sur toute la piscine. Le principe est très simple. Néo va remonter sur son paquet de chips. Ça sera sa monture. Swan, lui, a choisi d'être libre de ses mouvements. Donc, soit il nage, soit il marche autour de la piscine, mais il n'a pas de gonflable. Pour que ce soit un petit peu plus équilibré, Néo, tu devras attraper les 8 boules dans ton épuisette. Donc, c'est toi et seulement toi qui devras attraper les boules avant de te mettre à attraper des surprises. Ça, c'est pour équilibrer la différence d'âge. Ok ? Ensuite, bien sûr, le but du jeu est très simple, c'est celui qui attrape le plus grand nombre de surprises. Okay. Une fois que les épuisettes sont pleines, Swan va apporter ses surprises dans l'œil et Néo va apporter ses surprises dans le hamburger. Les garçons, vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, top départ. Allez, c'est parti. Souvenez-vous, Néo doit d'abord attraper toutes les boules. Allez, Swan a déjà attrapé une surprise. Donc Swan, lui, il les attrape sur le bord, voilà, c'est sa technique. Et Néo, lui, sur son paquet de chips. Allez, Néo, tu y es presque. Tu y es presque. T'as presque attrapé toutes les boules. Ah non, c'est l'épuisette. Et oh. Et oh, et oh, c'est avec l'épuisette, le tricheur. Oui, c'est bon. Est-ce que tu les as toutes? Non, il m'en manque une. C'est bon, ça rentre? Ouais. C'est bon. Pendant ce temps-là, Swan est en train de faire la pêche miraculeuse. Il se dépêche. Allez, Swan vide une première fois son épuisette. Et c'est déjà pas mal du tout. C'est bien. Allez, Swan repart à la pêche. Néo, lui, est en train de déposer les boules. Allez, c'est reparti pour la pêche. Allez, 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 allez. Allez, c'est bien, Swan. Allez, c'est bon. Allez, Néo est en pleine pêche aussi. Ouh, ça se remplit, ça se remplit. Allez, encore, 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 encore. Néo nous fait un retour. Allez, allez, allez. C'est bon? Oh non! Oh non! C'est tout tombé! C'est tout tombé pour Néo! C'est tout tombé! Allez, allez, c'est tout tombé! Du coup, Swan essaye de le récupérer au passage. Allez, chacun vide son épuisette. Swan, t'aurais dû vider ton épuisette! Non, non, attends, dernier cadeau! Attention! Allez, c'est bon, Néo, il reste une surprise! Ah non, il y en a encore là-bas au fond. Swan, regarde, il y en a encore au fond. Okay. Allez, 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 il y en a encore, il y en a encore. Néo s'en approche. Allez, allez. Ah, 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 elles vont peut-être être pour Néo les dernières. Oui. C'est Néo qui a attrapé les dernières surprises. Tout a été attrapé. Et maintenant, on va faire les comptes. Voici les surprises attrapées par Swan. Allez, on compte. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 surprises pour Swan. Parmi ces surprises, il y a des porte-clés Minecraft, il y a des porte-clés Super Mario, il y a une surprise Skylanders, il y a plein de petits sachets Lego Batman et Lego mini figurines pour l'anniversaire. Et il y a une boule Chupa Chups. Et du côté de Néo, il y a 8 surprises. Donc il y a une surprise Transformers, il y a les mêmes sachets de Lego que chez Swan, à nouveau une surprise Chupa Chups, il y a une surprise Zelda, c'est un porte-clés également, et une petite figurine Marvel. Néo a remporté le premier challenge avec les flamants roses et les cerceaux, le deuxième challenge également avec les donuts et les balles de justesse. Swan a remporté le troisième challenge avec les mini gonflables et les verres et les pistolets à eau.
Et Swan vient de remporter le quatrième challenge avec les surprises pêchées dans la piscine. Vous êtes à égalité, vous avez droit chacun au cadeau de la victoire. Cool. Voici la surprise pour Monsieur Swan et voici la surprise pour Néo. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est ? Oui, t'aimes bien ces trucs-là ? Celui-là, il est en mode été. Et voici les surprises une fois sorties de leur emballage. Les Skylanders de Swan. Alors, c'est quoi ? C'est un espèce de sous-marin ? Ouais, un peu. Ouais. Ça, je ne sais pas ce que c'est du tout. Une énergie. Ah, d'accord. Et là, un Skylander bizarre. Et ici, on a notre petit requin qui s'éclate avec le soleil. C'est la fin de ce challenge piscine. Et voilà. Est-ce que ça vous a plu ? Ouais. Oui. C'était cool. Alors, les ouvertures de surprise, on les fera dans une autre vidéo parce que là, c'est un petit peu long quand même. Donc, on vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo, les copains et les copines, pour les ouvertures des 20 surprises de la piscine. Il va y avoir de quoi s'occuper, surtout avec les petites figurines Lego à monter. Quel est le challenge que vous avez préféré sur les 4 ? Le dernier. Le plus facile. Les copains, copines, quel est le challenge et défi que vous avez préféré ? Commentaire. Merci beaucoup. Bisous. Bye bye. Plein de bisous. Bye bye et plein de bisous. Wouhou.